offrant d'acclamation. Offrant d'acclamation, Jésus-Christ. Offrant d'acclamation, Jésus-Christ. Or à la croix du calvaire, enseveli, ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Let's take our Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 32 à 34. Verse 32 to 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous sommes en train de voir comment bâtir les gens en Jésus-Christ. We are watching how to build up people in Jesus Christ. Et le partage est orienté vers la nécessité de montrer aux hommes où nous allons dès le début. And the thing is focused on the necessity. Show to people where we are going since the start. Les besoins des hommes, the needs of people, sont des vrais tyrans. Are real and true tyrants. Quelqu'un peut passer toute la nuit sans dormir parce qu'il médite sur ses besoins. Someone can spend the whole night not to sleep because he's meditating on his needs. Il vit sous l'oppression des besoins. He lives under the oppression of his needs. Qu'est-ce que Jésus nous conseille? What does Jesus advise us? Est-ce que Jésus banalise? Est-ce que Jésus dit ça c'est zéro? Is Jesus joking with it? Jésus dit, Jesus says, face à tes besoins, facing your needs, cherche premièrement le royaume de Dieu. First seek the kingdom of God. Tous les pasteurs, all the pastors, tous les faiseurs de disciples, all the disciple makers, doivent d'abord eux-mêmes entrer dans ce repos de Jésus. Must themselves enter in this rest of Jesus. Ils doivent s'engager eux-mêmes. They must commit themselves à rechercher premièrement le royaume de Dieu. To first look for the kingdom of God. Si tu ne recherches pas premièrement le royaume de Dieu, if you are not seeking the kingdom of God first, tu vas engager les gens dans la pauvreté et dans la misère. You will lead people into poverty and misery. Parce que la promesse de la rédemption, c'est que nous cherchons Dieu premièrement et Dieu répond à nos besoins. La promesse de la rédemption, ce que Dieu promet à l'homme, what God has promised man, c'est que l'homme le cherche en priorité is that God, the man seek him first, et lui, il répond aux besoins de l'homme. And he replies to the needs of man.
L'homme cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Man seeks first the kingdom and the righteousness of Jesus of God. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas prier pour ses besoins. Il dit premièrement. It doesn't mean that you should not pray for his needs. Ça veut dire qu'après ça, tu peux poser les autres problèmes. It means after it, you can show the rest of your problems. Et lui, and he, il s'engage. À t'exaucer, to grant you, à te donner ces choses comme des cadeaux. To give you those things as gifts. Même si tu n'as pas su poser le problème, even if you did not share your needs, Dieu va te répondre. God will reply to you. Si tu es un berger, if you are a leader, si tu ne fais pas attention, if you don't take care, les besoins des hommes vont t'effrayer. The need of people will frighten you. Parce que les besoins sont réels. Because they are true. Même le pain quotidien. Even the daily bread. Il y a des gens qui n'ont pas le pain quotidien. There are people who don't have. En se réveillant le matin, waking up in the morning, ils ne savent pas par quel miracle ils auront le pain quotidien. They don't know by which miracle they will have a daily food. Le résultat, the result, c'est la peur, la crainte, les inquiétudes, and sorrows, worries, les angoisses. And anxious. Pire, la course vers le monde pour chercher des solutions. La course vers le monde pour chercher la solution. Lis pour nous Isaïe 31. Read for us Isaiah 31. Verset 1 à 2. Verse 1 to 2. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Who to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of the chariots and in the great strength of the horsemen, but do not look for the Holy One of Israel or seek help from the Lord. Yet he too is wise and can bring disaster. He does not take back his word. He will rise up against that wicked nation, against those who help evil doers. Amen. Alléluia. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Who to those who go down to Egypt for help? Dans les desseins de Dieu, in God's purposes, il faut avoir les regards sur le Seigneur Jésus. You must focus your eyes on the Lord Jesus. C'est un vrai combat spirituel. It's a real spiritual battle. De dépendre de Dieu et de Dieu seul. To depend on God on, and on He alone. Tu dois enseigner à tes enfants. You must teach your children que Dieu existe. That God exists. Qu'il exauce les prières. And He answers the prayers. Qu'il peut nourrir. That He can feed. Il peut guérir. He can heal. Il peut protéger. He can protect. Il peut secourir. Tous ces grands besoins de l'homme, all those great needs of man, Dieu veille. God take care.
pour pourvoir. On enseigne aux jeunes disciples dès les premiers jours. We teach it to a young disciple at the first days. Que Dieu veut qu'on le cherche. That God want them to seek him first. De tout notre cœur. With all the heart. Depuis l'ancienne alliance. From the old covenant. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. He said, you will look for me and you will find me. Il faut enseigner aux jeunes disciples. We must teach it to the young disciples. Que Dieu pourvoit aux besoins. That God provides the needs. L'erreur que nous avons parfois commise, c'est que on commence à chercher à bâtir quelqu'un sans lui montrer même qui est le Seigneur, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire. The mistakes we used to do in the past was we started building up people without showing them what is God, who is God. Quand Dieu parle de lui-même, when God speaks about himself, il veut établir l'homme dans l'assurance, dans la confiance. He wants to set the human being in assurance. Il dit, après moi, il n'y a point d'autre. He said, after me, there is no one else. Il dit, je peux dessécher la mer. Il dit, je peux faire que les arbres poussent dans le désert. I can make trees to come up in the desert. Il montre qu'il est fort. He shows that he is strong. Pour établir le croyant dans l'assurance. To set the believer in assurance. Dans le repos. In the rest. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu avec toute sa justice. Seek first the kingdom of God and all his righteousness. Frère, nous devons... Je ne dis pas que nous revenons dans la formation des disciples. Non, je veux dire que nous allons faire des progrès dans la formation des disciples. I'm not telling you that we'll come back to the disciple making. I just say we are going to move forward to progress in the disciple making. Parce qu'on ne l'a jamais abandonné. On n'a jamais abandonné la formation des disciples. Because we have never given up the building of disciples. Nous voulons faire des progrès dans la formation des disciples. We want to make progress in the disciples. Et le Seigneur ouvre notre intelligence d'une nouvelle manière. And the Lord is opening our mind in a new way. D'autres jours, nous avons vu que la révélation est nécessaire. On n'a même pas encore vu comment on bâtit un homme. Nous sommes en train de poser les fondements de l'art de bâtir les hommes. Last time we saw that revelation is necessary. And we are laying the foundation on how to build up a man. Ce qu'il faut avoir comme pensée, comme la pensée de Christ en nous pendant que nous bâtissons les disciples. What we need to have as the thought of Christ in us while we are building up people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et nous avons vu qu'il faut la révélation de Jésus-Christ. And we saw that we need the revelation of Jesus. Le faisait des disciples lui-même himself, avant de commencer à faire sur les autres. Before starting doing it on others, doit avoir la révélation du Seigneur Jésus. Must have a revelation of the Lord Jesus. Est-ce que tu connais Jésus de Nazareth? Do you know Jesus of Nazareth? Par révélation. By revelation. Si oui. If yes. Si tu bâtis quelqu'un, if you build someone, cette personne est bénie. He is blessed. Sinon, otherwise, que Dieu vienne au secours. Let God come to your rescue. D'abord à ton secours et au secours de celui qui te suit. And to the rescue of the one who is following you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Viens lire pour nous Tite. Read for us Titus. Chapitre 1. Chapter 1. Lis le verset 1 à 2. Verse 1 to 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Paul.
serviteur de Dieu, servant of God, et apôtre de Jésus-Christ, and an apostle of Jesus Christ, pour la foi des élus, to further the faith of God's elect, pour la foi des élus, to further the faith, les élus de Dieu, elect, et de la et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. And the knowledge of the truth that leads to godliness. Écoutez bien. Listen. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Cherchez le royaume, premièrement, c'est quoi? Seek first the kingdom, what does it mean? C'est savoir is knowing que nous avons cru that we have believed pour entrer au ciel, to go in heaven, pour vivre avec notre Seigneur pour l'éternité, to live with our Lord for eternity. C'est avoir l'espérance, is to have hope, c'est attendre le retour de Christ, is to wait for the return of Christ, c'est travailler, is to work, pour ne pas rater toi-même ce jour-là. Not to fail the last day. Paul dit qu'il ne veut pas qu'après avoir prêché aux autres, lui-même n'aille à l'enfer. Paul said he doesn't want him, after having preached to others, to go to hell. Tu dois payer le prix pour être ce jour-là en union avec Jésus-Christ. You must pay the price for this day to be united with Jesus. Toutes les promesses de Dieu, le travail que nous faisons, ta présence ici ce soir. All the promises of God, the work we are doing, your presence here tonight. La prédication. The preaching. La prière. Prayer. Les jeûnes. Fast. Les bénédictions promises. All the promised blessings. Toutes ces choses. All those things. Reposent sur la promesse de la vie éternelle. On the promise of eternal life. C'est écrit. It's written. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. The one laying on the hope of eternal life. Et toi, tu veux servir Dieu sans penser à la vie éternelle. And you want to serve God without thinking about eternal life. La foi est pour toi un instrument pour chercher l'argent. Faith can be for you an instrument to look for money. Pour chercher la bénédiction. To seek blessing. Tu ne regardes même pas la vie éternelle. You are not even looking at the eternal life que Dieu t'a promise, that God promised you, et pour laquelle tu dois payer tout le prix, and for which you must pay all the cost, pour être prêt ce jour-là, to be ready this day. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. The one laying on the expectation of eternal life que Dieu a promise depuis les anciens temps. That God promises since the old times. Un autre dira depuis la fondation. Another one says since the foundation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu as les besoins, c'est vrai. You have needs, that's true. Tu es inquiet. You are worrying. Tu te dis que c'est normal. You tell yourself it's normal. Pour Jésus, ce n'est pas normal. For Jesus, this is not normal. Ce n'est pas normal. It's not normal. Tu n'obéis pas, pourquoi? Why are you not obeying? Parce que tu ne vois pas la gloire à venir. Because you cannot see the glory to come. Il y a des jalousies, des concurrences, pourquoi? There are jealousies and concurrence. Why? C'est pour les positions terrestres. It's for heavenly positions. Ceux qui visent le ciel. People who target heaven. N'ont pas le temps. Don't have time for that. Pour la vanité. Pour la vanité, pour l'orgueil. For vanity and for pride. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu passes une nuit, when you spend a night, en colère, hungry, une deuxième nuit, a second one, une troisième nuit, a third one, tu n'attends pas Jésus. You are not waiting for Jesus. Tu n'attends pas Jésus. You are not waiting for Jesus. Ceux qui attendent, those who are waiting, lave leur robe. Wash the cloth. Ils vivent dans la sainteté. They live in holiness.
Quand ils veulent prier, when they want to pray, ils se sanctifient d'abord. They sanctify themselves parce qu'ils connaissent first. La parole qui dit, because they know the word which says, si tu veux offrir une offrande, if you want to make an offer, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. If you remember you have something against someone, forgive. Quand les gens se promènent avec les querelles et dans les querelles, when people are wandering in interests and quarrels, ils n'attendent pas Jésus. They are not waiting for Jesus. Ils n'attendent pas Jésus. They are not waiting for Jesus. Leur foi, their faith, c'est pour les choses de la terre. Are for healthy things. C'est pour manger, they want to eat, et pour boire, and drink. C'est tout. That's all. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un bon faiseur de disciples, a good disciple maker, est un homme qui attend Jésus. Is a man waiting for Jesus. Et s'il doit te bâtir, and if he must beat you up, dès les premiers jours, since the first days, il t'introduit dans la vision du retour de Jésus. He introduced you in the vision of the return of Jesus. Les frères qui m'avaient gagné à Christ, people who won me for Christ, avaient réussi à me faire regarder l'espérance dès le début. Succeeded in making me look at the hope since the start. Je me souviens pendant les vacances, I remember during the holidays, j'avais prié. I prayed. J'ai dit, oh Seigneur, I said, oh Lord, permets que je sois baptisé avant ton retour. Permit me to be baptized before your return. Dans ma tête, je voyais le retour de Christ imminent. In my head, I could see the return of Jesus. Et j'avais peur que Jésus ne revienne me trouver avant le baptême dans l'eau. And I was scared that Jesus come and find me without baptism. Et quand on m'a baptisé dans l'eau par immersion, and when I was baptized in the water, j'étais heureux. I was happy. Parce que je savais que j'étais prêt maintenant. Because I knew that I was ready now. Tu dois savoir, you must know, que Jésus revient. That Jesus is coming back. Tu dois enseigner ça. You must teach it. Ça ne doit pas être au chapitre 2. It should not be at the chapter 2. C'est le premier chapitre. It's the first chapter de ton enseignement. Of your teaching. Jésus revient. Jesus is coming back. Sois prêt. Be ready. Sois prêt. Be ready. Sois prêt. Be ready. Supporte tout. Bear everything. À cause de ce retour. Because of this return. Lis pour nous Hébreux chapitre 12. Read for us Hebrews chapter 12. Versets 1 et 2. Verse 1 to 22. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that is easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. En vue de la joie qui lui était réservée. Foreseeing the joy which was booked for him. En vue de la joie qui lui était réservée. Foreseeing the joy which was planned for him. Il a souffert la croix. He suffered the cross. Il a méprisé l'ignominie. He despised ignominie. Tu dois savoir, you must know, qu'après avoir persévéré sur la terre, that after having persevering in earth, tu vas entrer dans l'union éternelle avec Jésus-Christ. You will be eternally united with Jesus Christ. Tu vas vivre avec ton Père.
You will live with your father. Tu vas le contempler. You will contemplate him. Tu vas le connaître tel qu'il est. You will know him as he is. Tel qu'il t'a connu. As he knew you. On ne va pas te dire voici Dieu. They won't tell you this is God. Ton intelligence va saisir. Your intelligence will cut it. Ta joie sera permanente. Your joy will be permanent. Il n'y aura pas de soucis, pas de fardeau. They will have no sorrows, no worries, no burdens. Tu n'auras plus de besoins. You will have no need. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. La parole dit, regarde Jésus. The word says, look at Jesus. C'est ton modèle. He's your model. Lui, Jésus. He, Jesus. Parce qu'il voyait la gloire à venir. Because he could see the glory, the coming glory. Il a accepté la souffrance. He accepted suffering. Il savait que c'était pour un temps. He knew it was for a moment. Il a méprisé la honte. He despised shame. Il a méprisé les moqueries. He despised mockeries. Il a pardonné les trahisons. He forgave treason. Il a pardonné les trahisons. He forgave treason. Tu ne dois pas mourir là. You must not die. Les blessures internes. Inner wounds. Les blessures émotionnelles. Emotional wounds. Quelqu'un t'a fait du mal. Lui, il danse là-bas. Toi, tu souffres toutes les nuits. Tu pleures. Someone did evil to you. He is dancing over there, and you are suffering all the nights. You are dying. Ton bonheur devrait-il dépendre d'un être humain méchant? Does your happiness should depend on a wicked one? Un être humain comme toi devrait-il décider que aujourd'hui toi tu vas pleurer, lui a il rit? A human being like you should decide. Sois délivré. You will cry. Be delivered. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Sois délivré. Be delivered. Que aucune goutte de larmes. Let no tears. Ne ruisselle sur ta joue parce que. Come on un méchant t'a maudit. On your job because a wicked one cursed you. Il a souffert la croix. He suffered the cross. Il a méprisé l'ignominie. He despised his ignominy. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. And what happened later? He sat down at the right of the throne of sur the divine trône. Majesty. C'est le chemin du trône. This is the way to the throne. Quand tu empruntes ce chemin-là, when you take this way, il finit sur le trône. It finishes on the throne. Sur le trône. The throne. Le trône. The throne. Jésus a dit. Jesus said. Il faut que là où je suis, eux aussi soient. He takes that where I am, they should be. Rien ne peut t'en empêcher. Nothing can prevent you tu from. Tu seras it. Assis à côté de Jésus. You'll là-bas. Be sitting near Jesus. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. I'm going to prepare a place il for travaille. You. He's working. Même quand tu as des petits problèmes là, il te fortifie. Il te fortifie. Even when you have small troubles, he strengthens you. Il envoie des visions, il envoie des anges, il envoie ses enfants t'exhorter. He sends vision angels and his children to advise you, to encourage you. Tu vas y arriver. You will succeed. Aucun démon ne peut t'en empêcher. No demon can stop you. Mais Dieu veut but God, que dans l'art de bâtir les hommes, but God wants that in the heart of building up men, qu'on bâtisse les gens qui le connaissent et qui connaissent son royaume. That we build people who know him and know his kingdom. Qui connaissent la loi de son royaume. We know the law of his kingdom. Si tu fais mal, if you do wrong, tu as perdu. You have lost. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Apostle Paul said, I laid the foundation. Comme un sage architecte. As a wise architect. Il dit, il n'y a pas un autre fondement parce que le fondement c'est Jésus-Christ. He said, there is no other foundation because the foundation is Jesus Christ. Est-ce que tu as posé le fondement? Did you lay the foundation? Comme un sage architecte. As a wise architect. Est-ce que cet enfant qui te suit? Est-ce que sa foi est fondée sur Jésus de Nazareth? Who is following you? Is his faith founded on Jesus of Nazareth? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Il y a une manière de faire there is a way of doing, qui attire la bénédiction. Which attract blessing. De telle sorte que si quelqu'un veut détruire ce que tu as fait, in a way that if someone wants to destroy what you have done, c'est Dieu qui le juge. It's God who judges him. Et Dieu est le juge. And God is the judge. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il a demandé à l'apôtre Paul. He asked Apostle Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Why are you persecuting me? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Travaille de telle sorte. Work in a way that que si quelqu'un veut détruire ce que tu as fait, if someone wants to destroy what you have done, qu'il ait pour adversaire principal let him le Seigneur l'Éternel lui-même. Principal adversary, the Lord Eternal himself. Ne bâtis pas quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Don't build up something which does not look like Jesus Christ. Oh Seigneur, tu as dit tous ceux qui ont souffert avec toi vont régner avec toi, Seigneur. Nous allons régner avec toi, Seigneur. Nous allons mépriser les épreuves. Nous allons mépriser les épreuves. Parce que, oh, nous regardons la gloire à venir. Nous regardons la gloire à venir. Nous allons mépriser les épreuves. Nous allons mépriser les épreuves. Nous allons mépriser les épreuves. Nous te célébrons. Je mets foi en ces paroles. Je crois à ces paroles. Je mets foi en ces paroles. Sois célébré sur ton trône au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas comment te dire merci. Je ne sais pas. Je ne sais comment te louer pour toutes ces souffrances que tu as eues à cause de moi, à cause de nous, à cause du monde, afin que Seigneur, les âmes se donnent à toi. Oh Père, merci infiniment pour cette grande souffrance que tu as menée. Tu as mené cette souffrance pour que j'aie, Seigneur, la voix du ciel. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Seigneur, mon âme te bénit. Oh Père, tu réponds à mes préoccupations. Seigneur, tu réponds à mes interrogations. Oh Père, mon âme te loue, mon âme te sate. Merci, Seigneur, de ce que tu fais comprendre que je dois mépriser, Seigneur, l'ignominie. Oh Père, je dois, Seigneur, fonder. Oh Père, avoir Christ en moi-même avant de bâtir les hommes. Oh Seigneur, je te bénis et j'accepte cela. J'accepte de mépriser, oh Père, la souffrance, oh l'ignominie. Oh Père, de pardonner les trahisons et de me conformer, Seigneur, oh Père, en regardant ton modèle. Seigneur, mon âme te loue, reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15. Du verset 1 au verset 19. Écoutez très bien. Listen carefully. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. It's the testimony of Apostle Paul. Paul a eu beaucoup de révélations. Paul got lot of revelations. Et Paul est un grand apôtre. He is a great apostle. Mais remarquez comment il fait la narration de sa rencontre avec l'Évangile. But see how he is telling his meeting with the gospel. Il commence par les choses élémentaires. He is starting by elementary things. Qu'il ne faut jamais rater. That we should never fail. Allons-y. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. As I too received it. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite,
Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ a ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Je ne sais pas comment toi tu as cru. I don't know how you believed. Et je ne sais pas comment tu fais pour vivre dans la sainteté. And I don't know how you manage to live in holiness. Il y a des choses que moi je n'ai pas faites parce que je croyais à la parole. There are things that I did not do because I believed into the return of Jesus. Les gens qui persévèrent. People who persevere. Parce que Jésus est à la porte. Because Jesus is at the door. Ont souvent une foi stable. Used to have a stable faith. Ils acceptent facilement les choses difficiles. They easily accept hard things. Quand ils pensent que Jésus est à la porte. When they think that Jesus is at the door. Même s'ils voulaient se fâcher. Even if they want to get angry. Ils annulent ça. They stop it. Les gens qui n'ont pas d'espérance. People who have no hope. Les gens qui ont cru pour leur ventre. People who believe for their belly. Sont dangereux. Are dangerous. On ne peut pas compter sur eux. We cannot count on them. Ils ont l'intelligence obscurcie. They have a darkened intelligence. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. They only think about things of earth. Citez-moi deux, trois choses de la terre. Just tell me two or three things. Quand on dit les choses de la terre, là, il s'agit de quoi? Of earth. Non, une personne la fois, oui. Mais lève-toi, tu prophétises. Le travail. Work. Le mariage. Marriage. Les enfants. Children. La procréation. Les maisons. Houses. Voilà. Une telle personne, même si. Such a person. Même si sa relation avec les autres ne marche pas, il dit, moi j'ai ma maison. Even if, Dieu m'a béni, j'ai construit. Even if his relationship with others does not work, he says, I don't care. I already have my house.
Il dit, j'ai ma petite famille et mes petits-enfants que Dieu m'a donné, ça me suffit. I have my small family and my small grandson that God has given me. It's sufficient. Il oublie. He forgets about qui sera jugé. The fact that he will be judged. Il a la foi de l'Ancien Testament. He has the faith of the whole covenant. La bénédiction de l'Ancien Testament était la longévité. The blessing of the old covenant was long life. Chacun voulait vivre longtemps sur la terre. Everyone c'était la récompense. Wanted to live a long life on earth. It was the reward. Il devait avoir le blé, l'eau, le pain. Wheat, bread. Mais Jésus a dit, but Jesus said, le bonheur d'un homme happiness of a man ne dépend pas de ses biens. Does not depend on his goods. Fût-il dans l'abondance. Even if he lives in abundance. Vous voyez, Jésus Christ. Jesus Christ. Il dit, si nous avons cru pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux de toute la terre. He says, if we have believed, if we believed for the things of this world, then we are the less happy people on earth. Je vois les nouveaux convertis dans cette salle. I see new converted in this hall. Embrassez cet évangile. Embrace this gospel. Jésus Christ. Jesus Christ. Reviens bientôt. He's coming back soon. Tu seras assis avec lui. You will be sitting with him. Quand les païens, un païen. When a pagan. Toi-même tu étais païen. You were a pagan. Tu rencontres un païen. You meet a pagan. Et il te pose la question. And he asks you. Jésus t'a donné quoi? What has Jesus given to you? Toi aussi tu commences à chercher ce que Jésus t'a donné. You also starting looking for what Jesus gave you. Tu ne vois pas. You cannot see. Ça c'est un blasphème. It's a blasphemy. Jésus t'a donné la vie éternelle. Jesus, I've given you eternal life. Jésus t'a donné la vie éternelle. He gave you eternal life. Ne cherche pas, ne Don't cherche look pas. Around. Elle habite en toi. It lives in you. 1 Jean chapitre 5. 1 John chapter 5. Verset 11 à 12. Verse 11 to 12. Tout ce qui, quand on te dit Jésus t'a donné, quand tu commences à citer, tu as raté. All those who start quoting, when people ask you, what has Jesus given you, you have failed. Tu ne dois même pas répondre. You must not even reply. Mais si toi-même tu veux citer des témoignages pour gagner les âmes, fais-le. Mais qu'un païen ne vienne pas te déstabiliser pour rien. If yourself you want to notice the testimonies to win the pagan, you can do it. Si tu n'enseignes pas ça à ton enfant spirituel, les païens vont le renverser. If you don't teach those things to your spiritual child, pagan will overthrow him. Jésus t'a donné quoi? Qu'est-ce qui a changé? What have changed? Toi aussi. You too. Et on dit un faux pasteur prêchait quelque part. A false pastor was preaching somewhere. Et dit, Dieu a dit. He said, God said. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il a dit. And he said. Qui a une voiture? Who has a car? Quelques personnes levaient les doigts. Some people put out their hands. Il dit, c'est deux voitures ou bien c'est une seule voiture? He said, it's two or one car. Les doigts ont diminué. The hand decrease. Après, il dit, qui a une maison? He said, who has an house? Quelques personnes levaient les mains. Some people put out their hands. Il dit, c'est deux maisons ou bien une maison? Is it two or one house? Il dit, ah, vous n'avez pas cru. He said, you have not believed. Vous n'êtes pas sauvés. You are not saved. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez you pas de voiture. No car, vous êtes sauvés comment? No house. How are you saved? Que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. The Bible says that seek first the kingdom and the righteousness of God and all those things will be given to you. C'était un menteur. He was a liar. Mais il faut connaître la parole de Dieu. But you must know the word of God. Si c'est pour ces choses-là, if it is for those things, que nous quittons nos maisons, that we are leaving our houses, nous achetons de grosses Bibles, we are buying big Bibles, nous venons à Adjamé, we come to Adjamé, et dans chaque nation, chacun a l'endroit où il va souvent, and
and in every area, everyone has the place where he used to go. Pour avoir l'argent, to have money, tu es malheureux. You are unhappy. Ce n'est pas quelqu'un qui te maudit. La Bible dit que tu es malheureux. It is not someone who is cursing you. The Bible says les premiers malheureux, les premiers malheureux sélectionnés là, tu es dedans, tu fais partie de. The first unhappy people selected, you are among them. Mais tu n'as pas cru pour ces choses-là. You have not believed for those things. Tu as cru. You believed pour entrer au ciel. To go to heaven. Alléluia. Amen. Tu verras le Seigneur. You will see heaven. Je te dis la vérité. Pendant que je suis en train de parler, while I'm speaking to you, si on ouvre tes yeux, if they open your eyes, les anges sont debout. The angels are standing up. Ils se réjouissent. Rejoicing. De cette parole. Of those words. Qui fait penser à ce jour glorieux qui arrive. Which leads you to think about this glorious day. Où le Seigneur va essuyer les larmes de ses enfants. Where the Lord will clean the tears of his children. Pour leur dire, vous n'avez pas cru en vain. To tell them you did not believe in vain. Vous n'avez pas attendu en vain. You did not waited in vain. Vous avez cru en moi. You believed in me. Je suis le Dieu qui rémunère. I am the Lord who rewards. Il a dit aux enfants d'Israël, je n'ai pas dit, cherchez-moi en vain. He told to the children of Israel, I did not ask you to look for him. Tu le cherches et te trouves. You look for him and you find him. Lui-même vient à ta rencontre. Himself come to meet you. Quelqu'un dit le christianisme c'est la seule religion du salut où Dieu va vers l'homme. Ce n'est pas que l'homme se débrouille pour aller vers Dieu. Christianism is the only religion where God himself come to man. It's not man coming to God. Il est dans les chambres, dans les rues, partout. Il cherche, il rassemble son troupeau. Everywhere, gathering his flock. Après sa résurrection, after his resurrection, c'était le ministère pastoral plein temps. It was the pastoral ministry. Pour restaurer les disciples découragés. To restore the disappointed disciples. C'est lui-même qui allait vers eux. He was himself the one who went. Il allait vers eux. He went to them. Il les a restaurés. And he restored them. Avant de partir, before leaving, nous préparer une place. To go and chacun. Prepare a place for each. Lis. Read. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. God has given us eternal life. Et cette vie est en son Fils. And this life is in his Son. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie, dit Amen. The one who has the Son has life, say Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, dit Amen. The one who has not the Son of God has no life. Say Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamation. Let's Alléluia. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Je crois. I believe. Et toi? And you. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap. Frère. Brother, c'est ça l'évangile. This is the gospel. Même si tu as faim, even if you are hungry, ça va passer. It will pass. Reste calme. Stay cool. Si tu as des petits problèmes, if you have small troubles, lis pour nous Philippiens chapitre 4. Read for us Philippians chapter 4. Lis le verset 4 à 7. Read verse 4 to 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète,
Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Tu vois comment le Seigneur parle dans la parole. You see how the Lord speaks in this word. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Let your gentleness be known by all. Le Seigneur est proche. The Lord is near. Les apôtres ne s'amusaient pas comme les gens s'amusent maintenant. The apostles, they didn't joke. Comme certains prédicateurs s'amusent de nos jours. As some preachers are joking in our days. Tu dois te réjouir. You must rejoice. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a faim peut-il se réjouir? Someone who is hungry can rejoice. Qui a la réponse? What's the answer? Oui. Pourquoi? Yes, why? La parole dit. The word says. Quand tu vas venir avec tes besoins. When you will come with your needs. Tu as faim. You are hungry. Tu dis, oh Dieu. You say, oh Lord, donne-moi le pain quotidien. Give me my daily food. La première chose que Dieu va te donner, ce n'est pas le pain quotidien. The first thing God will give you is not the bread. Il te donne la paix de Dieu, la paix de Dieu. He gives you the peace of God. Avant même de résoudre ton problème de famine. Before sorting out your problem of starvation. Dans deux jours ou dans une semaine. In 2 days or in 1 week. Ou à l'immédiat. Or immediately. Mais il préfère. But he prefers. Te remplir d'abord de paix. To fill you first of all of peace. C'est la leçon que Dieu voulait donner aux enfants d'Israël. This is the lesson God wanted to show the children of Israel. Dieu dit que il les a amenés dans le désert pour qu'ils apprennent que l'homme ne vit pas de pain seulement. The Lord said that he sent them during in the wilderness for them to learn that human being does not live only upon bread. Si nous avions le temps et la permission de Dieu. If you have time and God permission. J'allais demander ici. I would ask here. Quelqu'un qui a des sérieux problèmes et qui est heureux. Someone who has serious problems. Il y aurait des témoignages, ça allait vous étonner. But who is happy? We will have lot of testimonies. J'allais vous appeler les jeunes filles qui ne sont pas mariées mais qui dorment dans la lune. I will call sisters who are not Jesus married Christ. But sleep in the moon. Tu penses qu'elles ont des problèmes? Elles n'ont aucun problème. You think they have problems, but they have no problem. J'allais vous présenter des gens qu'on a insultés, mais qui sont joyeux. I would introduce to you people who have been insulted. Dans cette salle, pas qu'on va chercher dans le monde. But who are joyful in this hall, not somewhere else. C'est une promesse de Dieu. It's a promise of God. Qu'il va protéger le cœur de ses enfants. Who will protect the heart of his children? De la tristesse. From sadness. Des inquiétudes. From sorrows. Des angoisses. From anguishes. Et dit, ne vous inquiétez de rien. Don't worry about everything. But in everything. Faites connaître vos besoins à Dieu. Make your need known by God. Par des prières. By prayers. Par des supplications. By petitions. Et dit, et la paix de Dieu. And the peace of God. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. And God peace.
qui surpasse toute intelligence, which transcend every intelligence, va garder vos cœurs, will keep your heart in Christ, en Jésus-Christ, in Christ. Dans cette salle, in this hall, il y a des témoins, there are witnesses, qui peuvent dire, voilà, le frère qui était en train de sourire, someone is smiling, il est heureux, he's happy. Il est éprouvé, mais regardez le sourire. Et où sont les caméras? But very smiling. Où sont les caméras? Voilà un homme heureux, excessivement heureux. This is someone happy. Les semaines alors, si vous voyez les visages, acclamez vous-même. Frère bien-aimé, beloved brothers, réjouis-toi. Rejoice. C'est la plus grande manière d'adorer Dieu au niveau individuel. It's the greatest way of worshiping God individually. C'est ce que la parole veut enseigner quand elle dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. This is what the word wants to teach us when it is said, give thanks to God for everything. Quand l'adoration vient d'un cœur contrit, brisé, humilié, Dieu est exalté. Comes from a broken heart, God is exalted. Quand l'adoration vient de quelqu'un qui devait normalement maudire Dieu, c'est ça qu'on appelle parfum d'une agréable odeur. When the worship comes from the heart of someone who normally should curse God, which is what is called a good perfume. Cette adoration n'est pas superficielle. This worship is not superficial. Si tu es nouveau, if you are new, assieds-toi bien. Sit down very well. Travaille pour aller au ciel. Work to go to heaven. Si tu ne travailles pas pour aller au ciel, if you don't work to go to heaven, tu vas même reprendre avec tous les péchés que tu as abandonnés. You will go back to all the sins that you have forsaken. Parce que c'est l'espérance qui donne aux croyants la puissance spirituelle pour persévérer. Because it is hope which gives the believer the spiritual power to persevere. Viens lire pour nous. Come and read for us. Dans Hébreux chapitre 6. Hebrews chapter 6. Lis au verset 19. Verse 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Quand tu as l'espérance, when you have hope, ton âme est calme. Your soul is calm. Même s'il y a les flots, même s'il y a les torrents d'eau, even if there are waves and waters, tu ne peux pas être ébranlé. You cannot be shaken. Les gens qui voient la gloire à venir, people who can see the coming glory, sont très forts dans la marche. Very strong in the walk. Ils travaillent facilement pour connaître Dieu et pour abandonner le péché. They easily work to know God and to forsake sins. Même quand ils sont tentés, ils tiennent ferme. Even when they are tempted, they remain firm. Même quand on tente de les séduire, ils tiennent ferme. Even when people want to deceive them, they are strong. Qu'est-ce qui les rend forts? What makes them strong? Qu'est-ce qui leur permet d'être ferme? What permit them to remain strong? C'est l'espérance. It's hope. C'est l'attente glorieuse du Seigneur Jésus. It's the glorious waiting for the Lord Jesus. Ils ne veulent pas rater ce jour-là. They don't want to miss this day. Ils attendent. They are waiting. Quand le diable essaie de les tenter, when the devil try to tempt them, ils refusent de tomber. They refuse to fall down. Un jeune homme qui se masturbe tous les jours, il n'attend pas Jésus. A young man who always masturbated himself is not waiting for Jesus. Si tu dis, if you tell j'attends, him, if you say, I am waiting, mon Seigneur, for my Lord, ton cerveau sera purifié. Your brain will be purified.
Tes membres n'auront pas la force pour commettre le péché. Your members won't have strength to commit sin. L'espérance nous rend fermes. Hope make us strong. Solide. Solid. La Bible dit que c'est l'encre de l'âme. The Bible says that it's the anchor of the soul. L'encre est un gros fer. Anchor is a big iron. Qu'on utilise pour stabiliser un bateau. Which is used to stop a boat. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si nous gardons ces paroles. If we keep this word. Si le Seigneur nous donne une âme à bâtir. If the Lord give us someone to build up. Vous allez voir la différence. You will see the difference. Certains essayent d'apprendre à donner à Dieu. Some try to teach people how to give to God. Mais c'est difficile. But it's hard. C'est lourd. It's heavy. Pourquoi? Why? Ils n'ont pas la vision du ciel. They don't have a vision of heaven. Ils ne savent pas que leur royaume n'est pas sur cette terre. They don't know that the kingdom is not on this earth. Donc ils s'efforcent. So they are struggling. Ils s'efforcent. They are struggling. Et c'est difficile. And it's very hard. Certains essaient d'abandonner la colère. Some try to abandon hunger. Ils ne réussissent pas. They don't succeed. Pourquoi? Why? Ils ne connaissent pas la joie à venir. They don't know the joy. Ils ne savent pas comment on vit là-bas. They don't know how they live over there. Il n'y a aucune révélation. There's no revelation. Mais si nous enseignons. But if we teach it. Dès le début. Since the start. Il y aura les miracles. We will have miracles. L'apôtre Paul dit, je l'ai reçu. Apostle Paul says, I received it. Il a appris, Paul a appris l'évangile. He learned the gospel. Et il a cru au témoignage des autres. He believed into the testimonies. Et quand quelqu'un dit, j'ai rencontré Jésus, il croit. When someone told him, I met Jesus, he believed. Et il cite les gens qui ont vu Jésus. And he quoted people who have seen Jesus. Et il dit que lui aussi, il a vu Jésus. And he said he too saw Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu voulais commettre un péché. If you wanted to commit a sin. Au nom du retour du Seigneur. In the name of the return of the Lord. Au nom de son royaume. In the name of his kingdom. Ne le commets pas. Do not commit it. Ne dis pas si je pêche, on va me frapper. Ça, c'est petit. Don't say if I commit sin, they will beat, they strike me. Si tu pêches, tu vas perdre un ami. If you commit sin, you will lose a friend. Une éternité. An eternity. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si quelqu'un te demande. If someone asks you. Qu'est-ce que Jésus t'a donné? What has Jesus given you? S'il te plaît. Please. Dis la vie éternelle. Say eternal life. Pour toi, ce n'est rien, mais Dieu va utiliser ça comme une bombe. For you it's nothing, but God will use it as a bomb. Si tu dis il m'a donné la nourriture, mais même dehors là, les gens mangent, les blasphémateurs mangent. Si quelqu'un te demande, qu'est-ce que je t'ai donné? Si tu dis la nourriture, dehors là, les blasphémateurs mangent et les prostituées. Even if you tell him it's food, outside masturbators eat. Parce que Dieu est bon. Because God is good. C'est écrit. And it's written. Il nourrit même les méchants. He even feed the wicked ones. Quand son soleil se lève, when his sun rise, ça brille sur les méchants. It shine on wicked ones. Quand il laisse tomber la pluie, when he bring rain, même les plantations des sorciers sont arrosées. Even the plantation of the witches are waters. Donc, ton bonheur ne vient pas de la pluie. So your happiness does not come from rain. Dieu est ton ami. God is your friend. Dieu est ton ami. God is your friend. Même quand l'homme ne voit pas. Even if human being cannot see même it. Quand toi-même tu ne vois pas. Even if when yourself cannot see it. Il est là. He is there.
J'ai dit aux frères que Atekwa 2022, c'est la croisade de la foi. I told brothers that Atekwa 2022 is the crusade of faith. Quand tu as la foi, when you have faith, tu crois même contre tes propres doutes. If you believe even against your own doubts. C'est ça qu'on appelle Abraham a cru contre toute espérance. This is what is called Abraham believed. Espérant contre toute espérance. Abraham believed and hoped against any kind of hope. Dis amen. Say amen. Tiens-toi debout. Stand up, please. Sanctifie-toi. Sanctify yourself. Dis Seigneur. Say Lord. Je veux m'approcher de toi. I will get close to you. Je refuse de commettre le péché. I refuse to commit sin. Je veux garder mes vêtements propres. I want to keep my clothes clean. Car tu reviens bientôt. Because you are coming back soon. Car tu reviens bientôt. Because you are coming back soon. Tous ceux qui ont pleuré que Dieu ne m'a rien donné. All those who cry that God has given me nothing. Demande-lui pardon. Beg his pardon. Dis Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle. So Lord, you gave me eternal life. C'est la plus grande chose que Dieu peut te donner. It's the greatest thing that you gave me. Quand tu méprises ce grand cadeau, when you despise this great gift, toi-même tu tombes dans la confusion. You fall into confusion yourself. Tu as la vie éternelle. You have eternal life. Tu as la vie éternelle. You have eternal life. Tu as la vie éternelle. You have eternal life. Prions ensemble. Let's pray together. Prions que le ciel reste ouvert. Let's pray that the heaven remain open. Que la révélation de ce jour soit donnée à chaque saint. That the revelation of this great day should be given to any believer. Dieu Seigneur de laver tes yeux. Ask God to cleanse your eyes. Déchirer le voile. To tear the veil. Que tu contemples ce jour. For you to contemplate this day. Et que tu sois transformé. And for you to be reformed. Prions ensemble. Dis, oh Père, oh Father, je veux faire comme toi. I want to do like you. À cause de la joie qui t'était réservée, because of the joy which was booked, tu as souffert la croix. You suffered the tu cross. As méprisé l'ignominie. You despise ignominie. Je veux faire comme toi. I want to do like you. Je veux faire comme toi. I want to do like you. Continue à prier. Keep on praying. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord see you off.